Il dit ça qu'en fait, bagaille arrête. Bagaille yo miel. Par contre, pourquoi ça, bandio, continue à agir comme ça? Est-ce que c'est négocier, n'est-ce pas, les négocier? Est-ce que c'est guep, n'est-ce pas, manger comme ça? Ou bien, négocier tête, yo, que yo n'a mal, yo n'a mal net. Bandi, mes amis, continuez, prendre plus territoire. Donc, au niveau de Carrefour, Gressier, n'est-ce pas, presque occupé zone sa net. Et là, encore, nous apprenons qu'au niveau de Savien, n'est-ce pas, redémarrer machine, l'homme kidnapping, ak, assassinat population civile là et gros causé et nous pas prendre temps pour nous analyser question ça parce que gien pile dans nous qui pas connait réalité que ça vient l'Antibonite a vivre jodi là ba yo en pile yo l'autre bois gien Jean-Bel d'Orsena qui les même fait un gros déclaration côté apparemment il fait connait que une homme 11 femmes qui cap vendre zamak bal pa boy ici yo t'es nommé la police. Ouais ça ou pas de connel. Et c'est dans émission ça même que nous pral faire découvrir si parti ça dans déclaration dans Sénat et puis n'a pas analysé le pour parce que faut vous comprendre plus bien côté famille ça yo caché et qui protection politique yo gagne. Bon côté Paris gagne ministre affaires étrangères pays a Dominique Dupuy qui annonçait que pour moun qui a vécu légalement au niveau Saint-Domingue yo eh bien yo pral gagne en pile mesure qu'a prend pour yo moun ki pa gen pièce moun ki illégal quel que soit moun ki a vive au niveau de Saint-Domingue comme haïtien gouvernement pral rive sou ça son bonne nouvelle et nous pral prendre le temps pour que nous annoncer mesure yo et commenter différentes mesures sa yo dans cadre émission si là ou sou Wendy 609 et ou fait bon choix haïtien tout partout branché émission ça et nous saluons ou même qui du côté de Mexique États-Unis Canada dans pays la France la Turquie ou même qui dans pays République Dominicaine en Guyane française ou même qui dans pays Bahamas nous saluons. Mes amis causez en pile bandi continuer prend plus territoire dans pays là n'ayo fin pour Carrefour prend Gressier n'ayo continue à prendre plus toujours sous zone sud là et là nous apprendre que Zefei se redémarrer machine kidnapping assassinat sous population civile là n'ayo continue à foncer dans le mal nous apprendre que gang nan sa vient ak nan lien cour en dans département Antibonite continue à kidnapper en pile moun nan zone sa sans camper dernier gros va kidnapping qui fait weekend nan nèg yo pote aller plusieurs machines ak tout passager que ce soit moun kap passe sur route nationale là ou bien paysan yo ki pral bousquer la vie et bien nèg yo prend yo gang sa ki gaye nan divers canton dans département Antibonite lan vole bête touye moun yo boule moun tout vivant boule machine viole jeune femme actifi sans pas jamais inquiéter pour rien parce que l'état absent au niveau de zone ça nous apprenons que les dégâts opération qui était porté chef gang de Malé t'es grand pile panique bon côté gang yo mais depuis lors pas gagne opération encore nèg yo retourné pour la plus belle population actuellement la guerre pour contre lui et il va pauvre chaque jour parce que moun pas cal dans jardin al changer bête ni circuler. Situation ça pas différent de ça qui a passé dans zone Delige. Mon oui. Côté yon groupe nèg exam kap bay population en problème et c'est ça qui la cause que population lui-même l'a très passé. Alors gon série de moun qui kap en Haïti ou bien à l'étranger, yo ka tande information oui mais gon réalité pa konnen parce que yo pa fonctionner au niveau de zone ça yo. Donc réalité pays a changé entre-temps. Pas gen monter descendre dans Port-au-Prince encore. Et kounya là, son question de si bandi vle. Longtemps était si bon Dieu vle, mais kounya là d'abord c'est si bandi vle parce que bandi yo tout côté. Bandi yo fin Port-au-Prince et deuxième département qui pi gros dans pays a qui c'est l'Antibonite, bandi yo fin prend. Donc ba yo changé. Après Port-au-Prince, l'ouest, c'est réalité ça vient avec l'Antibonite là qui change. Mais vite attendez pour comprendre. Bertie Doras qui sont responsables organisation au niveau de département la Valéa qui explique Jean réalité aïe au niveau de ça vient dans l'Antibonite bagayo grave qui ça qui réalité département de l'Antibonite là département de l'Antibonite là PM Gary Koni chef CSPN DG Normil Rameau
département de la Tibonite, la réalité, c'est côté bandit a lâché moun tout vivant. Et tout le monde te vidéo ça, nous te voyons comment monsieur a lâché le jeune homme tout vivant. Morceau par morceau viande. C'est côté bandit boule moun tout vivant. Pour qu'il reprenne tout le monde, marée n'en fait, vide gaz sous lit, a boule tout vivant et a fait musique. Pendant ce temps, il y a joué, il y a grand plaisir dans une scène de criminalité, ça, qui nous connaît tout le monde, car ouais, même si c'est une action terroriste qu'a fait, mais ou pas, ouais, que, il fait mon souffrir, il n'a pas agi avec autant d'acrocité comme ça, pour permettre que le monde lui-même mourit. Département de la Tibonite, c'est côté, déjà, il y a près de 1500 femmes qui déjà violé. Mais viol ça yo, n'a dit sauf que c'est pas seulement gang nan. C'est une question déplacer lié avec gang nan. Mais c'est pas directement. C'est nan moun qui déplacé, qu'elle fait la descente la caille, moun qui quitte la caille yo. Soit moun kote yo descend nan petit moun nan, ou bien moun nan violé yo, ou bien violé petit yo. Nan cas ça, près de 1500 femmes, c'est cas qui déclaré. Il y a des cas qui pas déclaré. Il y a des gens, les OVNI, c'est organisation FEVBA, c'est lui-même seulement, parce que pas l'État, qui, en deux départements de la Tibonite, c'est FEVBA qui fait prise en charge là pour eux, le niveau qu'il est capable. Réalité département de la Tibonite là, c'est côté qui a plus enfants soldats qui moun en bas âge, qui a des âmes nommées qui sont enfants soldats, le gang griffe. Dit que c'était Cocorat sans rastou. Réalité, département de la Tibonite. C'est côté qui a plus massacre qui fait. C'est pas milliers qui ont mouru. Département de la Tibonite, PM Gariconi, n'a pas tout ça. C'est côté 95% qui ont appauvri. Parce que c'est des gens qui dépendent des secteurs agricoles. Je ne j'en dis pas. Bandi, crasé production et qui vient permettre que 95% de la population vienne appauvrie. Récemment, là, nous sommes joints un entrepreneur qui t'a aimé. Il a perdu environ gangrégriffe prend pour lui environ l'argent qui est évalué à 1 million de dollars américains, que Luxon est nommé là actuellement. Et entrepreneur Lila, si vous voulez parler avec lui en coulisses, nous capable de nous non. Parce qu'il est très connu, tout le monde connaît ça qui t'est passé là. Réalité département de la Tibonite, pendant cette tout le monde fin à pauvri, deux trois grands entrepreneurs qui tapent kembe yo, soit yo mette quoi ensemble, yo semble comme la priorité voyée à l'acheter gaz, et bien monsieur Luxon yo prend l'argent ça. Département de la Tibonite, c'est quand yo te massacré 6 policiers, et c'était volontairement, c'était au niveau de l'État, nous t'avons dit par complicité et autorité. Au niveau la police et politique qui te permet que massacre ça a été fait, qui te capable de créer une psychose de peur par bon côté policier pour permettre que yo te abandonné commissariat. Yo. Département de la Tibonite, ça. Ramil, DG Ramil Lobo. N'a pas bien. Nous pas connaissons si c'est plan ou bien avec premier ministre ou massacre ça a retourné fait encore. Juste une façon pour nous mettre le département de la Tibonite de côté. Mais la population a continué à faire résistance avec les policiers. Mais n'a pas dit que, tous les jours, bien public, yo, bien l'État, yo, c'est bien public, yo, c'est pour le pays, c'est pour tout le département, yo, pour tout le pays. Yo, nous avons revendiqué, parce que ce n'est pas ni l'agent, la police, ce n'est pas ni l'agent, gouvernement, membre gouvernement, autorité qui achète. Yo. C'est l'agent taxe, nous. Nous contribuons tout. Comment on fait ça chaque fois pour nous remplir de voix, nous exister, nous faire pas égal? Qui tout sorti dans la section communale, soit pour faire un passeport. C'est un passeport à 1000 gouttes. Paysan paye 1000 gouttes tout. Moun qui la ville là, qui porte au pression, il paye 1000 gouttes tout. Mais comment on fait ça pas égal? Mais dès qu'il s'agit de droit, nous, c'est toujours section communale, milieu rural. Et nous pas de droit avec sécurité. Comment on fait pour matériel rentrer? Et puis pour tout matériel stocké au niveau de capital là pendant cette année, même tout paysan yo n'a mouri, y a massacré nous en babal. Policiers yo pas gen moyen nan mais yo pour yo faire résistance pour sauver la vie yo et pour venir en aide avec nous. Département de la Tibonite, c'est côté vert à manger moun tout vivant dans zone Kaomedo. Nous rappelons sous président Mantelli, côté première dame Sophia Mantelli, t'es allé Kaomedo déjà, côté chic, baisse à lire les chic, l'elpre moun, c'est dans le corps, li manjo. Et bien, qui ça qui t'est fait comme solution? Pas de gagner qui t'est fait, non? Son petit garçon, yo t'es venu à pince, yo t'as pris.
yon l'autre bois gagne Jean-Ribel d'Orsena qui c'est membre CNDDR là qui fait un gros révélation. Causé 11 familles qui a vendre bal examen, ça nous te connaît déjà. Ça ne pas trivé connaît. C'est est-ce que c'est moun pour l'envek yo et qui fait partie de oligarque ou bien c'est des nèg qui semblait avenn. Mais apparemment semblé dans tous les deux catégories moun sa yo, yo gagne moun dans 11 familles sa yo. D'ailleurs, Jean-Ribel d'Orsena te même révélé que gagne un nèg sa yo qui t'a servi 11 familles yo que la police te mette la patte sous lui, ça ne pas connaît. Eh bien le fin arrêté monsieur, yo tande la justice, yo pas de printemps pour libérer. Ça c'est une Jean-Ribel d'Orsena fait connaît puis devant que li voulait faire une proposition avec gouvernement par rapport avec trafic zamak bal la. On loi qui te existe déjà apparemment, mais semble le gouvernement avant yo pas décidé publier loi ça qui te capable permettre que nous bataille contre trafic illégal zam avec bal dans pays a. Belle proposition, mais pour qu'on ait faut tande l'autre plan, le plan stratégie, nous avons une proposition loi sur Amafé qui finit déjà avec en collaboration avec Bini, avec qui peut mettre nos standards sur dans les Caraïbes, parce que pas oublier nous avons gagné des propositions de loi qui étaient là en 1988-89, qui c'est et 1922, soit 1922 ou 1922, qui est ça, pour que nous fassions une proposition de loi qui prend un bon standard pour tout le monde et puis au niveau international, parce que bataille, ça ne va pas faire une bataille sans loi. Et nous pensons que le gouvernement, ça, qui l'a appelé publiquement, et ça, il faut nous prendre en charge rapidement pour nous publier la loi. C'est pas un lote, mais c'est une proposition. Parce que loi sur Amafia, c'est très, très important pour le pays. Parce que si nous prenons la bataille là, pour nous batailler contre on serait des gros, gros, gros barons qui ont menacé nous-mêmes dans le CNDDR, tout cas, nous avons dit nous, qui a fait nous râler de l'eau bouche nous. Mais je vous dis, les arrivés, pour ça finir dans le pays d'Haïti. Lors de l'arrivée pour ça finir dans le pays, et je me dis que moi, bon, c'est après la guerre, les 11 familles. Ben non, parce que son vérité, un peu le monde attend. Est-ce que, dans le niveau CNDDR, par exemple, d'Orsena, sous question 11 familles, nous avons produit un rapport et que nous soumettons à autorité de nomination, non. Et est-ce qu'on a un rapport pour ça qui est disponible? Oui, le rapport est tellement disponible. Luc Mandelil a commencé à travailler sur. Ministre Luc Mandelil a commencé à travailler sur. Et sous base, ça a tout. Avec non 11 moun, 11 familles, ça y est. Et nous connaissons. Excusez-moi, nous connaissons ça, c'est tellement sensible. Moi, je dis que le ministre m'a commencé à travailler sur lui pour faire vérification et contre-vérification. Je pense que le ministre m'a commencé par une autre orientation, aller dans le sud, aller jusqu'à Tibiron. Et parce que là, il est en radio. Je pense que le ministre m'a commencé. Et avec Luc Mann pas là encore, ça veut dire nous avons un nouveau ministre de justice là. Donc, et continuité dans l'État, tu as qu'à permettre là. Parce que sinon, vers l'équipe, ça va venir, il dit, il est venu pour de bon. Donc, un document comme ça, tu as doué sous bureau autorité. Mais si nous allons travailler, comment le monde a fait qu'on est? Pas oublier, les nègres ont débarqué à la carrière juvenile, lui, sous frontière. C'est à partir des informations que nous avons gagnées, qui fait l'État a débarqué la carrière, sans compter l'autre monde qui a arrêté, qui a payé l'argent de la guerre. Pas oublier, des CPJ arrêtent un monde, il fait 15 jours à positionner, il a toute vérité. Sous ça, après, dans le jeudi, des CPJ présentent le monde. Le vendredi, à 3h, il a dit que le tribunal va débouquer. Il a dit, là, on ne peut pas être comme ça passé. Nous-mêmes, dans le CNDDR, il n'y a pas de gens
nous pas un moyen, nous pas une machine, nous pas gagner, nous la gagner et balancer dans pays. Alors nous toujours gagner des considérations que nous fait par rapport avec dossier ZAM à balle. Nous tous pensons que et pas seulement en question de opération. La police mettait à l'armée, mettait avec force Kenya qui parle faire opération, démantèler les gangs seulement qu'a fait que problème n'en résoudre. Ouais, et ça c'est une partie ou bien une formule pour résoudre problème non. Mais gros l'autre partie qui supposait gérer, c'est sécuriser frontières et empêcher que ZAM avec balle entre dans pays là. Ça sont classiques. Donc si ou pas faire en sorte que moun k'ap vann ZAM avec balle en difficulté et que yo décider pour que au fond l'autre travail, eh bien n'a toujours gen même problème ça. Nèg yo toujours gen ZAM, nèg yo toujours gen balle et l'état toujours dans condition pour que li c'est lui même qui a bataille pendant que nèg sa va faire business yo, pendant que si la yo qui fait partie de 11 familles sa yo continue à faire beurre yo dans question ZAM avec balle, parce que ou elle a pas aucun moyen pour résoudre problème nan net si nous pas prendre contrôle trafic aérien, si nous pas prendre contrôle trafic sous la mer, si nous pas prendre contrôle frontière yo, empêcher que ZAM avec balle van a gogo nan pays a. Donc si nous pas faire ça, nous mêler et qu'on s'allie. Alors, Haïtien qui vivent illégalement dans pays Saint-Domingue, des nouvelles. Gouvernement envoie ministre Affaires étrangères là qui c'est Dominique Dupuis, li pral mayon une série de dossiers qui concernaient moun qui vivent illégalement dans pays Saint-Domingue. En pile mesure annoncée, en pile gros mesure getan planifié la décision qu'a prend pour permettre à ce que Haïtien ça eux même yo ouais situation yo amélioré au niveau de Saint-Domingue. Qui sa décision ça oyé tendez à comprendre. Gagné moun plusieurs d'ailleurs qui t'a même connaît qui mesure ou pral prend pour que question passeport capable résoudre et adresser notamment à Miami, à Washington, en République dominicaine, qui bay haïtien apparemment pile problème. Sous tes capables de réponse tout court, il t'a rangé mon pile. Je suis très content de répondre à question ça en dernier lieu, Wendell, et je suis très fier tout parce que ça c'est un chantier, je me songe le en fonction, c'est le premier bagage du premier ministre là. Dit fort nous voyons signal fort dans question passeport là, et me t'ai très honoré que t'ai accepté et organiser visite ça. Je pas croire que la presse couvril énormément, même si gagne 2-3 bagages qui sorti quand même. Côté que pour la première fois, ministre intérieur, qui c'est premier ministre, tout ministre intérieur AI, ministre finance et ministre affaires étrangères étaient réunis à Washington pour une réunion de travail. Côté que nous avons pris des engagements clairs sur des solutions que nous allons mettre en œuvre pour que et une reproduction passeport là qui conséquent qu'à absorber dans les prochaines semaines. Ça c'est des solutions immédiates qui prend des engagements qui prend et nous avons avec le directeur service passeport en tout. Et Oslin Lambert qui était accompagné de Washington. Et non seulement nous prenons des solutions dans l'immédiat, deuxièmement, il y a des engagements qui prennent tout pour notamment mettre en place système et numérique et digital qui existait à Paris, par exemple, donc consulat à Paris, et à Washington, et à terme à Miami, et pourquoi pas à Santo Domingo. Le droit au passeport est un droit à l'identité. Moi-même, quand on a mis le chapeau ministre et à essayer de vivre à l'étranger, à tout, c'est une crise que nous vivons en termes d'accès à l'identité. Mm-hmm. Et comme diaspora, comme à essayer de vivre à l'étranger, nous pouvons faire tout ça nous capables pour nous remédier à lui. Et l'engagement fort qui prend Washington, nous pouvons continuer à décliner dans les semaines et les mois à venir pour que nous puissions remédier de façon durable à non seulement arriérer, mais à tout ça qui est collatéral que nous connaissons qui n'est pas fin droite. Qu'a fait nos questions et passeport. Je retourne avec République dominicaine qui a une diplomatie qui est apparemment agressive semaine ça et m'apprendre que gagne des haïtiens ont tué ou gagne une des bonnes questions avec quelle lunette pour regarder diplomatie politique en République dominicaine vis-à-vis de nos illégaux en fait de nos ressortissants en situation irrégulière et ça qui parle fait. Alors, à ce sujet spécifique, nous avons émis une déclaration que nous avons fait publiquement sur compte Twitter et Chancelleria, côté que nous avons non seulement déploré la mort de ces Haïtiens qui vivent à l'étranger, mais aussi le traitement
inhumain et dont sont sujets les Haïtiens très souvent dans les conditions que nous connaissons sur zone frontalière là et dans conditions plantation et tout. Nous déplorons et nous invitons autorité dominicaine pour mettre tout en œuvre pour que vous investiguer parce que ce sont des gens qui même dans la mort ont droit à cette justice là et nous demander à la dignité et ambassade nous et Santo Domingo déjà non seulement dépêcher et consul qui a affecté à zone Sayo pour un rapport que j'ai reçu entre-temps et qui a été soumis et par les voies officielles sur les faits, parce qu'on ne doit pas rester seulement à la surface, le déroulement, qu'est-ce qui s'est produit exactement. Et maintenant, l'ambassade de Santo Domingo va prendre attache directement avec les autorités dominicaines pour continuer le processus et faire la relève. Je demande l'autorisation à l'administration pour vous poser une dernière question. Au compte pour ça, pensez que il y a un pilote auditeur métropole qui était capable un petit peu de me passer à côté si je ne pas poser ministre Affaires étrangères la question ça. Ces derniers jours, dans pile monde plein le fait que il y a des Haïtiens qui a voyagé avec passeport yo. Nouvelle yo t'a fait quoi? J'ai pas confirmé. Mais plusieurs médias t'a fait état de Haïtiens qui gagnent problème pour yo entrer sur territoire République dominicaine après qu'ils ont présenté passeport haïtien yo. D'abord, est-ce que nouvelle ça pas fait pas retentir dans oreilles hein? Deuxièmement, si oui, qu'est-ce qu'a fait pour ça? Nous parlons pas chez nous sur question ça. Effectivement, tant que nous tendons, il reste à le vérifier et à prendre les mesures et appropriées pour savoir parce que ce qu'il faut, il faut d'abord s'assurer de cause et effet. Est-ce que gon causalité qui est avérée, que c'est parce que c'est ça qui gagne réaction ça? Nous prenons pencher nous sous question et s'il au besoin les mesures nécessaires seront prises.